C'est ici l'accomplissement de la parole de Dieu. Il nous est dit dans la Bible qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. L'après-midi, nous avons chacun de nous une relation particulière, personnelle avec Papa Mayele, Frère Mayele, Noko, grand frère, petit frère. Chacun de nous a sa relation. Mais il y a quelque chose qui remonte dans mon cœur. Quand je regarde le cercueil, j'ai des sentiments qui luttent entre eux, mais je veux retenir quand même quelque chose. Chaque fois qu'on était avec lui, il disait Nabomoi nanga yose, nakosa le lanzambe, yende moke li wangai, apesa kingai bomoi, nakopesa nzoto nangai. Nakope sape molimo, nakoyemba loyembo, onakokumi sayawi. Je veux retenir que toute sa vie, il avait fait ses voeux de servir le Seigneur. Il était parmi les gens qui arrivaient les premiers à l'église, bien sûr. Il habitait très loin, donc il partait plus tôt que tout le monde. Il voulait servir son Dieu. Il l'a servi. Je ne veux pas dire ici que on est en face d'un homme parfait, hein? Un être humain tout simple, avec des qualités, avec des défauts. Mais Dieu a permis que cela soit aujourd'hui que nous allons vivre cette déchirante réalité. Et cette réalité nous dit simplement que nous sommes ici sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins, des passagers. Cela nous arrive de le dire et nous le disons encore aujourd'hui. Mais c'est aussi une occasion pour que toi et moi, nous puissions réfléchir, nous puissions réajuster notre vie, nous puissions vérifier comment nous vivons sur la terre. Il y a toujours et il y aura toujours une fin pour chacun de nous. Mais le problème, c'est de savoir comment on finit sa vie sur la terre. Si on la finit tout seul, évidemment, bon, chacun prend ses responsabilités. Mais ce que nous avons toujours rappelé à l'Église, c'est que Jésus dit, si un homme vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire croire en Christ. Beaucoup s'imaginent que croire en Christ, c'est simplement faire un acquiescement. Oui, Seigneur, je crois. Non, croire en Christ, c'est engager toute sa vie dans les exigences de Christ. Je veux dire, c'est par la foi en Christ que nous avons cette éternité. Il y a deux éternités. L'éternité avec Christ, que je souhaite en tout cas à tous d'avoir. Et l'autre éternité, je ne voudrais pas vous encourager à y aller, parce que les douleurs, les souffrances sont vraies, même si c'est vrai, sont éloignées de nous aujourd'hui. Mais si Dieu dit quelque chose, c'est cela qui doit arriver. Il dit qu'il y aura des tourments et des souffrances sans fin. Alors moi, je ne voudrais pas faire ce choix-là. Je vous encourage, je nous encourage à faire le choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur sur cette terre, pendant que nous avons encore la possibilité de le faire. Amen.
Que Dieu vous donne la force de choisir, de faire ce choix-là et d'aller dans ce sens-là, quoi qu'il puisse arriver sur la terre. Nous mourrons tous, chacun, comme Dieu l'aura voulu, par maladie, par accident, par crise cardiaque, peu importe la façon dont on entre de l'autre côté, mais on y entrera, qu'on le veuille ou pas, on y entrera. Ma prière et mon désir, c'est que nous qui sommes encore là, qui avons encore la possibilité de faire un choix, faisons les bons choix. Faisons les bons choix. Que Dieu nous aide à faire ces choix, à prendre cette bonne décision, cette bonne résolution et à nous attacher fermement. Que la mort arrive, que les virus de toutes sortes arrivent, que peu importe la maladie, peu importe les moyens, peu importe la façon que tu vas passer de l'autre côté, mais on y passera. Mais quand on y passe, qu'on soit avec Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai juste à dire un simple mot. Ayamaele. Quel que soit Ndingture Bakie. N'a dit que c'est une réalité de Kunda Ndingure Zali. Nous avons mérité mieux que tous à la carabisson qui est boy. Batebele Basili qui. Par contre, tu es été pour honorer. Donc, il y a un mot qui est. Je sais que si vous êtes dans la paix, parce qu'à chaque fois que vous êtes dans la paix, vous êtes dans la paix. Vous êtes dans la paix. Maintenant, vous n'êtes pas dans la paix. Vous êtes dans la. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Mais je sais que ce qu'on a fait, on a dans la paix. Et que bisonné au Tikaliawa. Tu es dans le lion, tu es dans le lion, tu es dans le lion. Tu es dans le lion, tu es dans le lion, tu es dans le lion. Tu es dans le. Il y en a un, ça va dire son courage. Et ça va tilter. Mais ton persévéré, ton lénaïe, ton kundele sengo, ton kopina, ton koyemba. Pour ça qui est son mousal en zalpé. On s'en quitte toujours. C'est un peu machine de malamou. Et si vous avez un aucun de vous, vous avez un peu de vous. Vous avez un peu de vous. Vous avez un. Alors Job s'éleva en signe de deuil et il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête, puisqu'il s'est mis à genoux, les fronts contre le sol. Il a dit, je suis sorti du tout, ni du ventre de ma mère. Je retournerai ni dans les ventres de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Nous sommes basés à mettre la terre en circonstance. Au gré que pour Nabilo, on a son avis, mais jour au coup, il faut que. Quel que soit le problème, il y a et tant que soit avez un problème, vous avez un problème. Et quand vous avez un problème, vous avez un problème. Mais un problème est comme il y a une vie, Job a commis ça 15 ans. Quel que soit le problème, il y a un problème dans la vie, la première chose, c'est que vous avez un problème. Parce qu'il est le maître de temps. Quel que soit Eliou, ami à Job, mais Job a tel l'air qu'il s'en. Lelo, Toza, Nadei, Oto Bungisi. Oto Bungisi. Seigneur. Mais,
y a mon tout les alliés qui biso bateau en ville tout à la bombe et la biso papa ça là qui parcourt naï quel que soit malade de coca koya ou coca koya te et ça là qui plan 11 ans basala qui la vie naï parce que bible zolo banabiso mutu mokoti akoko baksa même un coup de la vie naï et ça là mutu mokoti akoufa avant le temps ou après le temps parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ça, il y a un bateau qui a été dans l'hôpital dans le moment où il a été. Mais il y a un bateau qui a été passé à Pamba. C'est-à-dire quoi? Zambende Moutou a fait sa vie. Jésus-Christ, il y a une clé à la vie. Dans ma campagne, il y a une clé à la vie. La Bible, Jésus, il y a une clé à la vie. Il y a une clé à la vie. Il y a une clé à la vie. Mais il y a une clé à la vie. Il y a une clé à la vie. Un jour, nous n'avons pas obéi à notre jugement. Un jour, tu auras l'éternel jugement dans Zambé. Quel que soit éternel abysso, quel que soit peau, un jour, tu auras passé dans le jugement dans Zambé. Mais la Bible dit, mieux vaut qu'on ait une nanda kuyadei que na fête. Parce que na dei, elle te zoomo na bo. Et si que je vais interpeller vin abysso, pour te dire que, mutu azapamba la vie. Pourquoi qu'on lia, pourquoi qu'on met là, pourquoi qu'on s'alignons sur la vie, azapamba. Mais, éternel tu zan ango. Laisse-moi te dire, on a interpellé. Ton père, sa vie n'a pas eu sur la sienne. Ton long, on a une distraction. On est tourné dans mon kilé. Parce que le seul, l'unique, le véritable Jésus-Christ. On a bengi, on a tchaki biso dans mon kilé. A tchaki biso pour la mission. Mission, tu es bien, ça que papa, ça l'est là qui nous a bien vu. Et c'est un moment là qu'on a dit, papa, le lazate. Mais à mon tour, il y a un tchaki biso. Et ça, Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, je peux dire. Je ne sais pas si je suis un orphelin, mais je suis un orphelin. Parce que je suis un papa ou un papa. Laisse-moi te dire, et ça passe dans mon thème, je suis un moto, je suis un cher pour la biseau. Je suis un homme qui a été battu dans l'hôpital. Mais je suis un homme. Laisse-moi te dire, tu as un projet de ma vie. Parfois, tu as un homme, mais il y a un homme qui a été battu. Mais il y a un homme qui a été battu dans la vie. Nous sommes au centre. Job a été na nyoso na pasoli bilamba malgré nyoso nzambe ni mtape saka yebe mtaju lelo ya mutu yo na koiko loba o nyoso na koiko loba ezake nzamba pesa ki biso pe ya jui gloire à Seigneur, gloire au Seigneur. Merci. Donc on va mettre Pamba, masia pozo.
Thank you.